Eh bah, salut à toutes et à tous, c'est bien évidemment Lival. J'espère que vous allez bien si vous êtes sur la VOD comme sur les streams. Bienvenue sur Twitch si vous êtes sur Twitch. Voilà. Je me suis dit, ouais, quand je lance mes streams, faudrait que je fasse un peu les introductions que je faisais en vidéo. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est bien évidemment Lival. J'espère que vous allez un peu en mode introduction youtubeur normal comme à l'époque. Bref. Bon, quoi dire? Pokémon Unite, je suis dégoûté de ne pas pouvoir le streamer le jeu parce qu'il y a Oupa qui est là, qui arrive pour qu'on puisse le jouer en ranked. Et c'est un Poké que j'ai vraiment envie de jouer, donc je crois qu'on peut le jouer en non-ranked, mais c'est tout quoi, et ça va être très dur de l'avoir, je pense. Mais bon, ça va être totalement game changer, on verra bien. Je sais pas quoi faire de mes cheveux. Ça me paraît mieux. Bref, bienvenue sur l'Alivaldventure, bien évidemment, nous sommes solo. Et il n'y a pas d'AFK, habituellement il y en a, mais là, je suis le seul. Comme vous pouvez le voir, malgré beaucoup de temps d'AFK, la Pharma Creeper fonctionne. Bon là, c'est vraiment tombé perfect timing, hein, parce qu'il y en a plein qui sont en train de tomber. Attends, mais what? Attends, comment ça se fait que ça tombe en boucle là? Attends, ça ne m'est jamais arrivé, il y en a genre 6-7 qui viennent de tomber là. Attends, parce que j'étais là. Et là, je me suis déplacé par là. What the fuck? Ouais, il y en a eu 6-7 là. Mais enfin bref, l'usine à Creeper fonctionne, suffit juste de rester AFK pour avoir un peu de... ou d'être ici, pour qu'elle fonctionne. Mais comme on peut le voir au niveau des rendus, bon elle n'est pas aussi efficace qu'une usine à fer, hein. Mais toutefois elle reste vraiment pas dégueu quoi. Et ça c'est plutôt cool. Bon oui, à noter, hein, j'ai énormément de coquelicots, finalement mes blocs je les ai mis ici. Et puis voilà, hein, le fer faudra que je le récupère. On va le faire maintenant même. On va crafter des blocs. Tac. Je sais jamais où est le bloc de fer. Il est là. Bah bon, on va laisser ça là. Hein. Tac, tac, tac. Énorme. Ouais, ça retombe un peu. Si j'ai le temps, on va essayer d'exprès pour voir comment ça produit. En fait, moi, je veux juste les voir spawner et tomber, quoi. C'est ça le problème, mais je n'ai jamais cette chance, malheureusement. Peut-être d'ici je pourrais voir. Si ça se trouve, faut pas regarder pour que ça spawn. Hein. Ah, il y en a un. Il y en a deux, trois. Waouh! Il y en a eu quatre en même temps. J'ai l'impression que c'est un bon spot ici. Ok, bah je retiendrai que. Genre ce bloc là, c'est un bon bloc pour les faire spawn. Parce que là, en peu de temps, on en a eu 10, quoi. Bah, génial. Et bah voilà, une bonne chose de faite. C'est bon, l'usine est officiellement fonctionnelle. Donc c'est plutôt cool, on a deux farms plutôt bonnes qui fonctionnent. Quoi dire, quoi faire? Oui, j'ai l'intention de faire une usine à Gold. Et je pense qu'on va un peu avancer aujourd'hui, mais on va pas du tout la finir. Et je sais plus où, mais je sais qu'il y a un endroit où j'ai plein de blocs pour l'usine, mais je sais pas si c'est ici. Il est là. Donc ouais, j'ai pas mal de verre qu'on en a besoin pour la farm. Et du coup, j'ai regardé la vidéo vite fait pour voir ce qu'il nous faut.
Parce que là, on est déjà très haut, on a déjà notre plateforme de fête. Après, ce qu'il nous faut, c'est les ingrédients de récupération, il me semble. Mais faut prendre des trucs de redstone et tout, mais... Attends, est-ce que... Okay, on va préparer... Je vais préparer tout ce qu'est redstone, parce que là, j'ai l'impression qu'il fait le système de récupération. Alors, il nous faut plein de minecarts. Donc, je pense qu'on va emporter le shulker de... Le shulker de blocs de fer. Il nous faut beaucoup de chests, beaucoup de hoppers. Des rails. Il en faut 8, il y a écrit, donc on va prendre les 8. Hooper minecart, blablabla. Une carpet, des name tags. Ah oui, les name tags. Ça, c'est un truc qui va être chiant. Parce que c'est... Je sais pourquoi. C'est pour les pigmen qui sont sur les côtés et qui vont tout le temps être vénères et du coup ça fait qu'ils vont attirer les... Ils vont activer les autres pigmen au niveau de leur colère, on va dire. Et des name tags, on n'en a plus, je crois. Donc ça va être un truc chiant à farmer. Ça me paraît un peu forte la musique, mais en vrai ça va. Hein. Je la baisse un chouïa. Donc ouais, bah, il nous faut du bois, hein. Enfin des coffres aussi. Surtout des coffres en fait, là je regarde, mais... Écoute, on va prendre tout le bois qu'on a. J'en ai dans mon under chest aussi. Alors on va déjà prendre tout ça. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va monter et il nous faut des blocs aussi. Hop. Allez, c'est parti. Du coup, on va avancer un peu sur l'usine à or. Mais on va pas la finir là parce que j'ai pas du tout ce qu'il faut. Ah, mais ils peuvent spawn sur ça! Ah ouais, c'est chiant. Ah bah même ici c'est ouvert de toute façon. Je sais pas s'ils peuvent spawn sur... Sur ça. Mais moi j'ai pas envie d'avoir des pigmen. Moi je veux pas que les pigmen y viennent ici. Sais pas s'ils peuvent venir. Ah, ils peuvent pas. Bah ouais. Oh, moi j'ai pas envie qu'ils viennent, les pigmen. Mais je sais pas s'ils peuvent spawner sur l'obsidienne du portail. Ok. Donc déjà, on pose tout ça. Maintenant, ce qu'il nous faut. Donc c'est à chaque extrémité, on doit poser combien de blocs? 3 blocs. Donc des blocs temporaires. Avec des hoopers. Ah! Faut qu'on crafte les hoopers. J'ai déjà des coffres, voilà. Donc il nous en faut 4.
Ça que c'est fait. On peut casser les blocs. Après. Ça aurait été bien d'avoir un deuxième écran là, je pense. Donc après, il faut qu'on pose la glace. En combien de hauteur? Ouais, 4. 1, 2. On va lentement, hein, mais en même temps, je connais pas l'usine. Ah! Ah merde, en fait, fallait le faire qu'une fois. Après, faut mettre des leaders sur chaque bloc. On va le faire. On n'a pas de leader. Hop. Après, faut créer une plateforme de 3 par 3. C'est plus que 3 par 3, ça, monsieur. Après, on pète les blocs. En effet. Placer un rail sur chacun. C'était quoi ça? C'était une fusée. Hop. Placer des minecarts Hooper. Alors ça on n'a pas par contre, donc faut que je le crafte. Alors. Après, faut péter les rails. Ok. Ok. Spécial, là, ce qu'il faut faire. Je sais pas si j'ai tout ce qu'il nous faut.
Ouais, j'ai pas de quoi les crafter. Voilà, on va préparer le truc, mais je suis bizarre. En gros, là, ce qu'il faudra faire, c'est péter chaque rail. Et après, faudra ramener un piston et un bloc qu'on va mettre dans le rail, genre. Et normalement, bah le tout devrait fonctionner, quoi. Genre vraiment le minecart devrait être dans le bloc. Donc on n'a plus qu'à aller chercher ce qu'il nous faut. C'est un suicide en effet. Rien de plus normal. Je pense que j'ai crafté quelques fusées parce que. Oh, les élytras invincibles. Hein. Ouais, on va pas en faire beaucoup. J'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Ouais, voilà, ce qui est bien, c'est que les fusées, en fait, ça coûte que dalle. Donc, clairement, ma petite production, elle est largement suffisante pour le serveur. À part si tu spammes comme un débile tes élytras, tout va bien. Alors, il nous faut des pistons, il nous faut des leviers. On va prendre des entonnoirs au cas où, mais non, je crois qu'on n'en a plus besoin des entonnoirs. De toute façon, on a de quoi en faire. Après, le reste, bah, on verra hein, plus tard. L'avantage des élytras pour monter, bah c'est qu'on peut monter plutôt rapidement. Ah, ça peut spawn ici, tiens. Ah, c'est un offensif en plus. Alors. Voilà. Et on doit faire ça partout. Merde. Ah! Est-ce qu'on... Ok. Je suis tombé! Ouais, bah c'est sûr. C'est ça, miner à la pioche des blocs qu'il n'y a pas besoin de faire à la pioche. On va pas faire que ça aujourd'hui, je pense. Mais j'ai pas joué énormément de temps. Alors, on était là. Ok, donc maintenant que ça c'est fait. Donc après on peut tout casser. Et ici il faut mettre du verre. Plutôt intéressant à savoir que tu peux foutre des blocs comme ça dans les minecarts. Donc après, on fait ça.
Après, faut mettre une slab. J'ai pas de slab, moi. J'ai des slabs. Bon, on aurait pu en mettre direct, hein, des slabs. Hein. Bah oui, bah c'est ce qu'il a fait. Ah, faut remettre un rail. Place 24 minecart. Ah ouais, on peut. D'ailleurs. Donc là partout. Mais what the fuck? Attends, j'ai posé un coffre, je vais tout mettre dedans. J'ai juste récupéré mes rails parce que j'en ai besoin. Attends, c'est bien sur ouais, c'est bien sur ce bloc. Et maintenant, il m'en faut 24. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 24. Ouais, c'est bon. Donc là on en a 21, 22, 23, 24, 23, 24, 5. Il faut faire ça partout. Ça c'est pas long à faire, genre. Et on recommence. Je suis en train de me dire, mais je suis en train de faire ça, mais j'ai même pas vu le résultat final. Parce que je sais pas s'il y a un trieur avec la forme. Pire, le trieur, on peut le faire après, mais c'est un peu chiant, quoi.
Je sais pas comment on fait un trigger. Bon, ouais, au pire, on garde. On fait 20 milliards de choses, hein. 20 milliards de coffres, histoire d'être sûr de tout récupérer, quoi. Et du coup, vas-y, les derniers. Ok. Ah, d'accord. C'est parce qu'il y a cette histoire d'entity cramming. En fait, les minecarts sont des entités. Et du coup, dès qu'un seul pigment tombe dedans, il meurt. C'est pour ça. Ok. Alors maintenant, il faut qu'on place une trappe dehors. J'en ai pas. Donc là, j'imagine que ça va être là où on va rester. J'aime pas avoir du bois là, j'aime pas poser du bois. J'en ai pas beaucoup alors que de la pierre taillée, j'en ai plein. J'ai que ça. On gratte l'ail. Alors après, faut remettre du verre, tout en mettre du verre. Après, j'en ai plein, hein. Ça sert à ça. Là, on est à 5 minutes sur 18 dans la vidéo, sachant qu'il y aura le grand cercle à faire et je pense que. Je pense que ça va être assez long. Et que dans sa vidéo, c'est en accéléré. Après, faut placer des carpettes là partout. Putain, on n'a pas de carpettes. Est-ce que je meurs de cette hauteur? Ah oui. Wow. Ça lag un peu. Oh, stonk. Alors, des carpets. Hop. On va en prendre plein comme ça, on est sûr. Vas-y, on prend plus de blocs au cas où. Alors.
Ah, et après, je crois, de souvenir, genre tous les blocs qui sont là, ici, ça va être genre, tu peux mettre des enclumes ou des trucs comme ça. Je pense qu'on va le faire en enclume. Parce que les enclumes, c'est des blocs, je pense, où les mobs peuvent te voir à travers. Ah, et après, faut rejoindre tous les trucs. Donc on fait ça tout autour, il accélère, voilà. Après faut boucher. Alors, faut boucher vraiment partout ou... Ah ouais. Cinq blocs temporaires sur les carpettes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je comprends pas pourquoi il nous demande de le faire en vert par contre. Ouah, si trapdoor. Ah oui, pour que les pigments tombent. Ok. Ah ouais, là ça va nous coûter un peu plus cher. Donc il nous en faut 24 des trapdoors. Ouais, il compte la trappe dehors du coup. Il est incroyable ce stream, moi je dis, hein. Vraiment, c'est waouh. Première fois que je fais ça en même temps, donc. C'est compliqué, oh. On fait ça partout, comme d'hab. Ah oui, après, je peux péter les blocs. Et là, il dit d'utiliser des machins que j'ai pas, et je sais même pas ce que c'est. Mais j'ai vu des modèles où tu utilisais des enclumes. Il y a peut-être des trucs dans les commentaires. Parce qu'il faut des grindstones qui coûtent 50. Enfin, oui, il nous en faut 56.
sais pas, je vais regarder comment on craft ça, parce qu'on va pas prendre de risques, hein. Oh, le craft, il est chiant. On peut pas faire ça en enclume. Redstone, Envilm, Gold Farm. On va regarder si on peut faire les deux. Alors, ceux qui utilisent la Gold Farm, est-ce que tu peux utiliser des envies au lieu d'utiliser les machins? Ouais, tu peux utiliser des enclumes, donc on va faire ça. Parce que l'autre machin, il a l'air chiant à crafter, j'ai pas de quoi sur moi, alors que là, bah, du fer, on en a. Attends, hop. Donc il nous en faut combien? Attends, dans les commentaires, il y a un mec qui l'a mis. Il nous en faut 56. Et donc les enclumes, comment on les gère? Attends, a priori... Parce que je sais pas, est-ce que la lead... Ouais, je pense que le mieux c'est dans cette direction. Attends, comment ça se fait qu'ici, là, je pouvais aller en dessous? Bon. Maintenant. Attends, il faut poser des layers de neige. Comment on fait ça? Comment on craft des layers de neige? J'ai même pas de neige. Layers snow Minecraft. Tu fais ça en faisant un tapis de boules de neige, j'imagine. Tu fais ça avec des carrément des blocs de neige. Ah ouais. Il nous en faut combien? Soixante snow. Ils disent pas qu'il faut des layers de neige. Ils disent juste 60 snow. On va farmer 60 blocs, hein, de snow. J'ai trop envie d'aménager.
En faisant ça, j'ai trop envie de m'élever. Je sais pas si ça produit quand je suis pas là, ouais, non. Putain, ça donne 4. Ouais. Pas mal. Ok, let's do this. Ah ouais, après il me faut de la vraie snow quoi. Wow, mais qui a fait ça? Ah, ils ont fait le wizard du coup. Ils ont dû le faire hier soir vu que j'ai pas joué. Mais attends, mais comment ils ont eu autant d'or? Pourquoi ils ont pas utilisé mes blocs de fer, mec? J'en avais des milliers. Ok. Putain, je voulais faire un bonhomme de neige, c'est vrai. Bon, ouais, vas-y. À l'ancienne, hein. Donc il nous en faut 60. Allons-y les amis, retourne dans l'enfer. Ok. Putain, il est 16 h. Le temps passe vite. Ah non, mais depuis que je suis en Irlande, en fait, je me suis rendu compte, mais les semaines passent très vite. Parce que c'est comme si j'étais en vacances, en fait. Parce qu'il n'y a que le mardi où j'ai des cours. Alors après, par contre, les lierres de neige, j'ai pas vu où fallait que je les mette. Hop. Ok, faut en mettre 5. On est à 7 minutes de la vidéo sur 18. Ah, c'est pour le focus, j'imagine. Et comme ça, les PB Figmen, ils peuvent pas passer. Là, faut replacer du verre ici. Faut en mettre 3.
Ouais, il dit, tu peux pas le poser en étant sur la neige. Waouh, super, hein, merci pour l'anecdote. Ok, après faut utiliser des escaliers. Donc il nous en faut 12. Ouais, et là on peut plus passer par là maintenant. Donc il faut une idée, n'est plus des. Hop. Ah, j'ai cru que j'allais me rater. Voilà, comme ça les pigments peuvent rentrer. Incroyable. Après, faut poser 19 blocs. 19. Bah, attends, mais il en a 3000. Hein. Monsieur, vous en avez 3000 des blocs? Attends, il en utilise 12. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, il en a bien mis 19. Bah, je sais pas compter. Donc 19 en plus de celui-là. Donc là, c'est là, genre, faut que je fasse 19. Et du coup, j'ai plus de verre. Et attends, ça m'étonne qu'il faille pas mettre du verre là sur le. Ah si, il faut en mettre là aussi. Ouais, ça m'étonnait. Bon, attends, bah, on va en foutre 19 sur moi, comme ça au moins je me trompe pas. On est sûr qu'il n'y a pas de souci. Et on fait ça partout. Parce que évidemment là on va bien avancer sur l'usine à or, mais on va pas la finir aujourd'hui parce que je crois que je n'ai pas assez de verre. Et de toute façon, merde. Attends, ça nique mes comptes. Sinon. Je n'ai pas assez de verre et je n'ai pas du tout assez de magma bloc. Mais j'espère avoir assez de magma bloc au moins pour construire, on va dire le tour. Après, de toute façon, il me faut des name tags et on n'en a pas. Ah mais, attends. Ah mais j'ai pas fait tous les trucs. Oh le vert tu le vois pas hein. Il disparaît devant toi. Ok. J'imagine les mobs ne peuvent pas spawn sur du verre, c'est pour ça que c'est intéressant d'en mettre.
Le faire sur chaque côté. Ah, après, il dit comment faut faire le cercle. Et il le fait en fly, ce tricheur. 1, 2, 3, 4. Encore 4. Deux, deux, un, deux, un, deux, encore deux. Après, on fait 5 fois une bloc. Un. 2, 3, 4, 5. Après, on refait 2, 2. Je sais plus s'il faut le faire 3 fois. Ouais, faut le faire 3 fois. Et après, 2 fois 4. Incroyable, on a fait un cercle. Bon, du coup, on a clairement pas cette verre. Oh, danger. Pareil, niveau bloc, j'en ai pas des masses. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Waouh! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2. Et faut que je le fasse une dernière fois. Et ça commence à spawner du coup. Mais attends, je comprends pas. Pourquoi on a besoin de magma bloc si les mobs ils spawnent pas que sur les magma blocs. Que là, c'est débile. Pourquoi on a besoin de 20 milliards de magma blocs? Peut-être parce que le taux de spawn est plus élevé? Peut-être parce que ça fait de la lumière? Je sais pas. Parce que si ça fait de la lumière, autant ne pas faire des magma blocs, quoi. Genre, si c'est la raison pour laquelle je prends des magma blocs, parce que, mec, ça me fait chier d'en farmer. Dernier 4. Ouais, parce que ça spawn sur tous les blocs là. Et après, j'imagine, faut remplir de verre. Oula merde, j'ai un peu trop avancé dans la vidéo. Et là, il est en train de faire le cercle de magma bloc.
Et après, du coup, faut tout casser. Ce que je me dis en vrai, c'est du verre pour pas que ça spawn. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de mettre, genre, des dalles vers le bas pour éviter que ça spawn? Et comme ça, je suis pas obligé de farmer des millions de verres parce que j'ai pas assez de verres. Franchement, j'ai envie de faire ça. Hein. Bon, déjà, on va péter tout ça. Comme ça, sur les dalles, les mobs peuvent pas spawner vu qu'il y a de l'air en dessous. Moi, j'ai envie de mettre des dalles. Hein. À la limite ici, ok, j'en mets pas, mais parce que c'est déjà posé, mais j'ai envie de tout remplir de dalles. Parce que pareil, le coût des magma blocks, ça va juste coûter hyper cher pour rien, quoi. Donc à la limite, j'en mets un petit peu, mais je remplis pas. Putain, j'ai reçu trois fois le même mail. Sur Outlook, sur Gmail, et sur mon mail étudiant d'ici. Pour le module, l'enregistrement des modules. Pourquoi je l'ai pas fait ça? Alors, check module. Take a moment to review the module. Visual coding, les deux mobile applications, software, human computer. Ouais, c'est bien ça. Mais c'est bien ça. Pourquoi il me renvoie un mail? J'en ai reçu tellement des mails en mode valide que c'est bien ça. Ah, si la liste elle est bonne, c'est bon. Ok, bah nickel. Bah du coup, ici, moi j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'utiliser mes propres blocs, quoi. Ah non, ça va coûter hyper cher en bloc de fer. Je peux pas faire ça en bloc de fer, ça va coûter trop cher. Ouais, vas-y. Alors, je vais poser tout ça là. Et ce que je vais faire, c'est mourir. Et on va récupérer des blocs. Je pense qu'on va prendre de la stone. Enfin, on va faire en stone brick. Oh, le creeper, des creepers, toujours plus de creepers. Je suis buggé. Oh, ils sont déjà morts. Oh, misère. Ok. Parce qu'après, on a la stone nice aussi, hein, mais je sais pas si ça va cuire pendant que je suis pas là. Ça fonctionne. Ouais, la stone nice, hein, ça peut être sympa, mais ouais, vas-y, on stone brick. On va prendre tout ça. En plus, ça fait que ça nous coûte beaucoup moins de blocs si je fais ça comme ça. Donc certes, il y a des risques de bugs qu'on connaît bien en Skyblock hein, quand on utilise des dalles. C'est que de temps en temps, ça nous fasse glitcher et on tombe. Mais laisse-moi. Mais bon. Ah, et du coup, il y a le cercle de stone brick. On récolte, hein, ça fait des blocs.
Et on a tout. Nickel. Let's go. Qu'en fait, le problème qu'il y avait en scale block, c'est que de temps en temps, quand tu faisais ça, bah le bloc il se posait sur le bloc d'en dessous. Genre là, les stone bricks, bah elles vont baisser d'un cran et à cause de ça, bah tu tombais et c'était très chiant. De toute façon, on verra hein, si les mobs spawnent dessus, mais normalement, non. Donc, un peu plus d'un stack juste pour faire ça. Hein, ça... obligé d'utiliser une deuxième. Je suis tombé un peu bêtement. Juste parce que j'étais arrivé au bout. Ah, vas-y, on finit cette partie. Et on peut. Mais en plus, j'étais en sneak. Genre, j'ai des sneaks et je suis tombé à cause de ça. Je le trouve vachement sombre, mon écran. J'ai l'impression que c'est normal. Peut-être là. Ah oui, ok, c'est la luminosité de mon Mac qui allait pas. Bah ça a pas l'air de spawn, c'est bon. Ouais, avec quelques blocs avant ça spawnait, donc c'est bon. Je pense que l'aggro va rien changer d'être là ou pas. Ah, ou pas, nouveau Pokémon. Le seul truc qui me fait peur avec Pokémon Unite là, c'est vraiment que Oupa risque de trop changer le jeu. Et c'est sûr hein, qu'il va le changer. Le problème c'est que son rôle il va être hyper important, encore plus important qu'un vrai support. Parce que là, c'est un support, mais c'en est absolument pas. Hein. Pour moi, vraiment. Enfin, si, mais. Il est cheaté, hein, son rôle. Putain, il nous en a fallu des blocs quand même. Il nous a fallu. Oh, que 4 stacks, je crois. Oh, ça va. Parce que au début du vert, normalement, il nous en fallait combien? 38 stacks de vert. Donc ouais, on en est loin là.
Pouf. Mais. Et je crois donc là on l'a vu, il faut un peu plus de 6 stacks. Ouais, il en faut 7. Même pas, même pas, même pas. Donc est-ce que la stone brick que j'ai suffira? Je pense pas. Ah, c'est un peu long ce truc. Et dans la vidéo, quand j'aurai fini, j'en serai à 9,30 sur 18. Sur 18,50. Mais après, il y a l'outro et j'imagine il va montrer. Oh, regarde, elle fonctionne. En mode de fonctionnement de l'usine. Mais après, bah, dès que t'as tout prêt, suffit de se mettre. Ah, mais non, la neige, c'est pour tirer des flèches. Et être aggro avec les enclumes, j'imagine. À moins que les trappes aussi fassent ça. Mais les trappes servent à ce que les zombies sautent. D'ailleurs, pour me suicider, il suffit juste que j'aille là. Maintenant que j'y pense. Beaucoup plus efficace comme mort. Bon, ça va, ça rajoute un petit style de la faire comme ça. C'est pas plus mal. Bon, je sais, c'est hyper intéressant ce qui se passe sous vos yeux. Mais bon, hein. Le pire, c'est que je fais l'usine à faire, mais il n'y a même pas besoin de la faire. Je dis une usine à faire. Une usine à or. Hein. Usine à or, ben, j'ai même pas besoin de la faire en vrai. Personne n'a besoin d'or. Mais bon, hein, comme ça, on va dire que je l'aurais fait dans ma vie une fois. Une vraie usine qui marche vraiment bien parce que les usines à or que j'ai faites, elles sont très peu fonctionnelles et je les ai faites sur du skyblock. Et c'est avec la technique des portails, sauf que cette technique, elle marche vraiment mal. Au pire, t'as le skyblock d'Hypixel. Franchement, le skyblock d'Hypixel est vraiment cool. C'est vraiment un mode de jeu à part, quoi. C'est vraiment comme un skyblock, sauf que t'as beaucoup plus de choses. Le seul truc que je reprocherais, il me semble de souvenir qu'il y a ça, mais je suis pas sûr, c'est que t'as pas de quête. C'est le seul truc que je reprocherais au skyblock d'Hypixel. Après, si ça se trouve, ils en ont ajouté, mais le temps où on y avait joué. D'ailleurs, attends, mais le mode de jeu là, là, il a 3 ans. Parce que j'y avais joué, je me souviens, j'y avais joué la semaine du bac et à cause de ça, j'avais pas révisé parce que j'avais la flemme et que je passais tout mon temps sur le skyblock. Avec Zampa. Je sais pas, non, on n'avait pas réussi à amener d'autres gens. C'était vraiment que Zampa et moi qui étions à fond.
Attends, c'est chiant posé là, comme ça. Ouais, j'aurais pas assez de blocs. J'aurais assez de blocs. Le tryharder, il fait une usine. Oh là 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 là. Comment ça, je tryhard? Ouais, bonsoir à toi. Et oui, ça tryhard l'usineur. La dernière fois, j'avais récolté des blocs de magma, et en fait, je me rends compte que j'en aurais probablement pas besoin. Parce que là, tout en bas, là, j'ai un double coffre avec pas mal de magma blocs qui m'attendent. En fait, bah, il y a de grandes chances que j'en ai même pas besoin. Et je suis un peu deg. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Mais vraie question, est-ce que toi, ça va, bien évidemment? J'aimerais bien changer de jeu. J'aimerais bien jouer à Pokémon. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que le jeu. Ben, je me dis, ça c'est un truc que j'aimerais bien tenter par contre, c'est de record. Juste de record, pas de streamer. Il y a des chances que ça passe, mais bon. Faudra tester. Parce que j'aimerais bien, bah, à la limite, mettre les rediffs sur YouTube. Redip des games et même les récupérer pour ma chaîne principale qui est inactive depuis que je suis en Irlande. Parce que de base, je voulais poster déjà les vidéos de mon gars, j'avais la flemme de continuer à les poster. En vrai, j'avais fait le tour déjà. Moi, ça va, pourquoi t'essayes pas sur émulateur? Je suis déjà sur émulateur. Pokémon Unite, je suis déjà sur émulateur, mais c'est juste que quand je stream, déjà ma connexion crash beaucoup plus souvent. Et quand tu joues sur un jeu comme Pokémon Unite où les games durent que 10 minutes et que si tu déco 30 secondes déjà, ça te met pas bien. Alors imagine quand t'es déco pendant 5 minutes. Aussi, je sais pas pourquoi, mais de temps en temps, bah, mon jeu va se mettre à tourner à 3 FPS et je ne peux plus du tout maîtriser ce que je fais. Genre si le bug arrive pendant que j'allais à droite, bah je vais continuer à aller à droite comme un débile alors que j'ai lâché mon bouton depuis longtemps. Et ça c'est les deux raisons pour lesquelles je ne joue plus en stream sur le jeu parce que ça m'arrivait à quasiment à chaque fois. Et clairement ça détruit mon... Ça détruit mon expérience de gamers dessus quoi. Donc c'est pour ça, bah, je pense que peut-être que record ça passe, donc je testerai tout à l'heure en recordant seulement. Donc du coup il y aura des rediffs sur YouTube. Si les games je les aime bien, bah, je ferai carrément des réuploads des games qui m'intéressent sur ma chaîne principale. Ou sinon je poste carrément les VOD, bon sur la chaîne VOD normale et sur ma chaîne principale. Je peux faire ça. En vrai je pense si je fais un truc comme ça, je ferai juste les... Je posterai juste sur ma chaîne principale. Que sinon ça ferait doublon pour rien et je veux vraiment que la chaîne VOD reste pour les VOD quoi, alors que ça en est même pas une. Au pire, je sais genre comme c'était une vidéo YouTube mais sans montage. Et puis voilà. En mode dès que j'arrête le record. Et pareil, si j'ai des décos, c'est pas très grave en vrai. Je peux juste revenir. Et à la fin, bah juste. Je mets mes petits écrans de fin et puis voilà. Bon, du coup, en fait, j'avais carrément trop de blocs. Hein, genre, dans ma tête, j'en avais pas assez, mais en fait, j'étais vraiment large. Bon, maintenant que ça s'est fait, ça m'a pris pas mal de temps quand même à remplir juste cet espace. Bon, maintenant. Now the first magma layer. Ah, on peut avoir des Frostwalkers et on prend pas des dégâts dessus. Intéressant. Oh.
Putain, il faut des rangées de 8 blocs là. Et après, il faut refaire les cercles. Oh, oh là là. C'est chiant. Oh. Ok. 2, 2, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là, il m'en faut des blocs de magma. Je suis quand même mort. Ok. On garde des blocs. Je peux pas faire des blocs comme ça. Ah, si. Bah, si on veut des blocs plein, on peut en avoir. En vrai, on va pas garder beaucoup de dalles parce que je pense pas que j'en aurais besoin. Alors que les magma blocs, probablement. Bah, en vrai, les magma blocs, j'en ai pas besoin de 20 000 là, clairement. Vas-y, on va prendre un max. Donc, en partant de la du truc. Ah, peut y avoir des ghasts qui spawnent. Ouais, chiant leur truc. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on met des blocs de magma. Pour éviter que les ghasts spawnent. Donc là, faut qu'on parte sur 8 blocs. 8. Après, c'était 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. 5. Je vais vérifier que c'est bien 5. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, ok. 6, 7, 8. Et après, on continue. Et est-ce que c'est bien 3 fois 2? C'est ça. Donc 3. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Ok, on est bon. Par contre, ouais, si les ghasts peuvent spawn, c'est un peu chiant. On va tout péter parce que j'ai pas envie que ça spawn moi les ghasts. Mais c'est peut-être pour ça ouais qu'on met des. Merde. Peut-être pour ça qu'on met des blocs de magma en effet. Pour éviter que les ghasts spawn. Ah oui, ça c'est. C'est une raison que je comprends totalement. Honnêtement, je pense que je vais faire que une moitié. Parce qu'après du coup j'imagine là va falloir remplir de nos trucs. Bon, j'ai regardé ce qu'il faut faire, parce que du coup, c'est le faire de tous les côtés, sur plusieurs étages.
Ah ouais, non, à l'étage numéro 2, faut pas faire la même chose. Ouais, franchement, on va faire un seul étage pour l'instant, hein. Mais mec, mais chaque étage, faut faire un truc différent. Ah oui, mais c'est parce que quand tu... D'accord, je comprends. C'est parce que quand tu te... Ouais, franchement, on s'en bat les couilles de ça, hein. Genre, si je veux faire des étages, je vais les faire comme je veux. Parce que, en gros, quand tu te mets au niveau de la dalle, là, il y a tout autour de toi un cercle de spawn possible. Et en fait, tu dois respecter le truc pour que le cercle de spawn, il soit vraiment nickel. Pour vraiment être hyper opti. Franchement, je m'en fous. J'ai pas envie d'être opti, quoi. Genre, déjà, ce que je fais, ça va être hyper opti, donc... Bon, est-ce que je remplis ça, franchement Je pense que je vais faire qu'une moitié. On va faire qu'une moitié, on verra après. Donc, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Attends, je suis pas dans le bon biome là. Oh putain. Du coup, ce côté ne peut pas marcher parce que c'est pas le bon biome. Ah, fait chier. Et oui, les pigmen ils spawnent pas dans les War Forest. C'est que les piglins qui spawnent. Ah, intéressant. Ah, j'ai pas pensé à ça. Eh bah, nickel. Ah, c'est un peu chiant ça. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment. Bah, en vrai, c'est bien parce que du coup. Et là, je suis où? Là, on est dans un waste. Parce que ça veut dire en fait que je vais pas pouvoir faire l'usine partout. Genre, il y aura un quart en moins. Bah, c'est pas trop grave, mais du coup, ça veut dire que j'ai fait une moitié de cercle pour rien. Du coup, en gros, bah là, j'ai fini l'usine maintenant. Là, je l'ai fini. Enfin, je peux la finir. Il suffit juste que je refasse mes quarts de cercle. Et puis voilà. Et après, je fais plusieurs étages si je veux. Là c'est les deux, mais les deux je sais plus faut en faire combien. Les deux faut en faire trois. 1, 2. Et après là c'est full 1. En fait, le truc un peu chiant, c'est que ça abîme mes... Ça n'abîme pas mes bottes.
J'étais persuadé. Donc on voit déjà que ça commence à spawner. Hein. Ah, ça aurait été pratique des forces, des Frost Walker. Ouais. Ok. Je sais plus. Je crois. Est-ce qu'on. J'espère que ce biome-là, au moins, c'est pas une. Normalement, il n'y a que celui-là où c'est plus une Wast. Ouais, c'est ça. Au pire, ici, on peut faire un stockage. Hein. Le grand stockage, on le fait là. Ah, MDR. Par contre, je vois qu'on est encore entré dans un biome Wast. Enfin, dans une Warped Forest. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, non, c'est bon. 1, 2, 3. Donc, il y aura juste une partie de ce truc qui pourra pas spawner, mais bon. C'est pas grave. Après, je sais pas, faut en mettre combien, donc on va le faire là. Ouais, un peu con quand même. J'aurais dû vérifier le biome. 1. C'est long. Et parce qu'on est arrivé, incroyable. Maintenant, on va tout casser. Déjà là c'est rare de spawn hein. C'est sûr ça pourrait être mieux mais pour l'instant faut se dire qu'on a fait que le bord quoi. Et que 3 bords. Sachant qu'on peut en avoir 4 normalement. Alors j'ai juste reçu un message WhatsApp. Roomies, qu'est-ce qu'ils disent? Please don't lock the door tonight. Pourquoi j'ai eu la notif là? Bon. Donc maintenant, challenge, bah, c'est de poser partout. Bon, en vrai, ça va être plus simple parce que c'est des magma blocs. C'est-à-dire que ce sont des vrais blocs, hein, c'est pas des slabs. Bizarre, je l'ai pas récupéré en le cassant, je crois.
Alors, c'est en se retournant que nous verrons si ça spawn un peu. Il est vraiment tout seul, lui? Il y a vraiment personne d'autre? Ok. Un peu décevant. Ah si, on récupère quand même. Donc avant, j'ai peut-être pas eu de chance. On en a posé en débloquant quand même. Ah. Ah, ça sert à ça les blocs de magma. Bah en vrai ça change rien parce que les poulets vont meurent dans tous les cas de l'entity cramming. Wow! Ah oui, ok, en fait ça spawn bien maintenant. Mais je pense que là je peux déjà faire fonctionner l'usine du coup. Il suffit juste que je target un pigman et puis voilà. Il faudrait juste mon name tag. Du coup, ouais, ça veut dire que j'ai besoin de 3 name tags et plus 2. Et plus 4, pardon. Vu que j'ai un côté qui peut pas marcher. Vu que c'est pas le bon biome. Et heureusement, par contre, que j'ai regardé le biome. Hein. Parce que sinon, vraiment, j'aurais farmé plein de magma blocs pour rien. Parce que là, j'aurais peut-être assez quoi pour ce que je vais faire. Bonsoir au mec, bienvenue! Oh là là, que d'avancer toujours à chaque fois que tu viens. On avance bien, hein, que ce soit de mon côté ou celui des autres. Il y a de fortes avancées. Bah au final, j'aurais fait l'usine à or aujourd'hui. Hein. Je pensais pas. Bon, j'espère que ça va bien sinon de ton côté. Si ça se trouve, tu viendras, mais tout sera déjà fini. N'y aura plus rien à faire, à part du build. Parce que mec, regarde l'armée là-bas. L'usine a bien avancé, bah surtout je l'ai commencé aujourd'hui. Parce que la dernière fois j'avais juste récolté des ressources, j'avais atteint la hauteur et fait juste une plateforme de verre. Et là cette fois-ci, bah on a construit tout ça, on a fait le cercle. Bon. On part sur un 3 quarts de cercle, tout va bien, bah nickel. Donc ouais là actuellement je suis juste sur un 3 quarts de cercle. Parce que, bon là on va dire, cette partie-là je l'ai posée mais... En gros, elle sert à rien parce que je ne savais pas que là, j'étais pas dans le bon biome. Parce qu'on est dans un biome de Warped Forest, et la Warped Forest, c'est la bleue, il me semble. Et bah, ça peut pas spawn dedans, en fait, tout simplement. Mais là, le coup du cercle des spawns des mobs, tu les vois bien. Parce que ça ne spawn jamais à côté de toi, ça spawn toujours quand c'est à peu près loin. Tu le vois avec les armées de pigmen, c'est incroyable. J'arriverai la semaine pro, je pense. Eh ben, en espérant qu'il y ait des choses à faire. Après, rien ne t'empêche de refaire des usines qu'on a déjà, tu vois. Mais moi, celles que je fais, c'est des usines qui sont pas présentes. Dans l'usine à canne à sucre, personne n'a faite. L'usine à gold, je suis le premier à la faire, normalement. L'usine à fer, la mienne, c'est la seule du serveur, mais elle est vraiment largement suffisante parce que personne n'en a besoin et elle produit un max. Donc à part si je veux faire des usines en utilisant des blocs de fer, bah on n'en a pas besoin. Heureusement que t'as pas bu de la totalité avant de t'en rendre compte. Ah bah oui. Mais je l'ai vu parce que j'étais en mode... Mais pourquoi le
l'ambiance là, on va dire le fond là, le brouillard, on va dire, il est un peu bleuté. En fait, parce que ça avait changé de biome. Donc du coup, ça voulait dire que ça ne marchait plus. Parce que dans ce biome-là, les pigmen ne peuvent pas spawner. Ouais, on en a plus. On en a maintenant. Nickel. Ouais, tu vois, ça spawn tellement, alors imagine quand elle fonctionne. Parce que je crois que je suis pas sûr, mais peut-être que quand t'es sur un serveur et que t'es tout seul dessus, les usines fonctionnent mieux. Je suis pas sûr du tout, hein, mais c'est possible. Ça marche comment? Eh bien, c'est très simple. En gros, moi, je vais me tenir. Oh, danger. Oh, danger. Oh, danger. Je vais chercher un arc. Ok, les ghasts peuvent vraiment spawner. Ok, donc comment elle marche? En gros, t'as le cercle. Et au milieu, on va dire, j'ai ma petite cage. Et je vais te montrer en direct, mais avant il me faut un putain d'arc. Je vais carrément en chercher en espérant que celui-ci suffit à one shot. On va prendre des flèches. Ah mec, je pensais pas que les ghasts pouvaient vraiment spawner en fait. Ah, l'usine à creeper qui fonctionne! Eh, regarde, elle a bien produit quand même. Hein. Parce que de temps en temps, t'as plein de creepers qui spawnent, je sais pas pourquoi. Genre là, tu vois, t'en as plein. C'est là en faisant des allers-retours entre ici et ici. Mais bref. En fait, c'est vraiment si je trouvais le bon endroit. Si je trouve vraiment the endroit, l'usine elle marche hyper bien, genre. Mais là, déjà, je me mets sur ce coin-là et ça avait bien produit. Parce qu'on a pas mal de poudre hein, quand même hein, depuis hier. Niveau fer, bon, là c'est un peu à bordel, mais il suffit de voir les coquelicots. Et ici, la canne à sucre, bah, ça se remplit tranquillement. Évidemment, on pourrait être plus efficace, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'en consommer énormément. Donc, tu vois, si tu veux faire des fusées, bah, j'ai tout à la maison. C'est ça, moi, le truc, en fait, c'est que je voulais les usines utiles à la maison. Genre l'usine à fer, à creeper, à patates. Donc, du coup, en fait, j'ai deux usines pour pouvoir me déplacer tranquillement avec mes fusées et mes élytras. J'ai mes PNJ, donc j'ai pu faire mon stuff à la maison. Et j'ai un accès depuis chez moi à mon usine à or directement. J'ai l'usine à patates, donc ça fait que niveau bouffe, suffit juste que je sois chez moi et je peux me fournir quand je veux. Donc c'est plutôt bien. Pour ça, après, l'un des trucs intéressants à faire, ça serait d'avoir une usine à slime aussi à la maison, mais le problème c'est que, a priori, ça fonctionnerait très mal. À moins qu'on trouve exactement comment fonctionnent les farms. Ah, on peut avoir des magma blocs, des magma cubes. Bon, en vrai, je pense que c'est vraiment pas grave. C'est juste les ghasts qui sont un peu dangereux. Vu qu'il y a le mob griefing qu'on a activé. Parce que sinon, les PNJ ne peuvent pas se reproduire.
L'or en quantité ne me servira à rien, tout comme le fer qui ne me sert à rien d'avoir en quantité, tout comme le papier qui ne me sert à rien d'avoir en quantité, tout comme les patates qui ne me servent à rien d'avoir en quantité. C'est une usine pour l'usine. C'est tout. Comme les cactus, on a des cactus, mais ils ne servent à rien. Genre, Paul, il a fait une usine à cactus, mais on n'en a pas besoin. Mais c'est pareil, l'or, on n'en a pas besoin, mais voilà, si t'en as besoin, bah c'est là. Ok, bah maintenant que ça c'est fait, franchement, vu le nombre de pigments, j'ai pas envie d'en avoir plus. Donc on va stopper là. Et après, du coup, dans la vidéo, il continue de faire les autres cercles. Il pose évidemment des dalles. Ah, et tout en haut, il a mis des blocs de verre. Alors ça, j'aimerais bien comprendre à quoi ça sert. Ah, c'est trop compliqué à expliquer, donc il le met dans la description. Glace schématique. Ah oui, donc c'est carrément... Ok. Le plaisir d'optimiser. Et après, évidemment, tu mets des trappes partout pour que les PNJ tombent, ça m'étonne pas. Mais bon, ça, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Ah ouais, et après le truc important, mais franchement j'ai la flemme de le faire. Oh putain mec, ça spawn tellement. C'est d'avoir dans chaque coin un pigmen renommé pour pas qu'il déco. Et qui servira à... Dès que tu vas... Ah bah tiens, je vais pouvoir te la montrer. Bon, petit problème technique. D'ailleurs, j'ai un arc, donc je vais pouvoir la faire fonctionner dès maintenant. C'est juste le stockage qu'il faut que je gère maintenant. Ça, je peux récup. Donc, comment ça marche? C'est très simple. En gros, je vais me mettre ici. 23 Minecraft glitches that are actually help. Hey, tu arrêtes de faire peur comme ça. Et à la fin, j'imagine, faut juste. Ah non, il met même pas le système de récolte. Ah si. Ah mais c'est juste, il met des coffres et puis voilà quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas un système de récupération particulier. Donc en gros. Maintenant, suffit que je tire une flèche sur un pigmen et ça va tous les énerver. Et l'intérêt d'avoir un pigmen renommé, c'est que ce pigmen sera énervé aussi parce que c'est un truc qui se propage, l'énervement des pigmen. Et vu qu'ils vont tout le temps être énervés, ceux à name tag, ils vont tout le temps propager ça. Et du coup, c'est infini, il suffit de rester AFK là. Parce que imagine que dans le cas où il n'y ait plus de pigmen, eh ben, je suis obligé de retirer une flèche pour les énerver. Et là, il n'y a pas besoin grâce au PNJ, grâce au pigmen renommé. Donc là, pourquoi on a mis des trappes, des enclumes? C'est pour que les pigmen puissent me foncer dessus quand même. Enfin, puissent me voir à travers les blocs, on va dire. Et là, si on a mis des layers de neige, c'est tout simplement pour leur tirer dessus. Et après, les pigmen, ils vont venir. Là, il y a des petits escaliers pour qu'ils viennent là. Évidemment, il y a des trappes et les trappes, je pense que tu connais. Les mobs considèrent ça comme des vrais blocs et... Pour eux, dans leur tête, ils vont pas tomber dans le vide alors que c'est le cas. Ils vont tomber dans les 24 minecarts qui sont là. Et vu qu'il y a 24 minecarts et que la limite de mob sur un bloc c'est 24, enfin d'entité, la limite d'entité sur un bloc c'est 24, alors ils vont mourir de ce qu'on appelle l'entity cramming, qui fait que dès qu'il y a plus que 24 entités sur un bloc, ils vont casser, enfin ils vont crever, pardon. Et vu que c'est eux les derniers arrivés sur les blocs. Bref, démonstration. Ah
Ouais, tu vois, et là ça se propage plus, je crois. Oula, danger, danger. Mais j'ai oublié de reboucher derrière moi. Enfin, au-dessus de moi. Oh merde. Oh non! Oh non! Oh les fils de pute! Oh je suis dans la merde! Oh j'aurais dû reboucher! Oh shit! Aïe aïe aïe, j'ai pas envie de tout péter! Oh merde, putain! Bon, c'est assez brouillon, mais. En fait, dès qu'un ghast peut me. Oh merde! Oh putain, j'ai oublié. Mais en plus, je l'ai dit. Mais comment on les empêche de spawner alors? Oh! Ah, ça sert à ça le verre! Ça sert à ça. C'est pour ça que tu mets du verre, c'est pour pas qu'ils spawnent les ghasts. Oh putain! Ah ouais, bon, on va le faire alors. Attends, j'ai m'envolé. Mais mec, il y en a plein. Ok, est-ce que j'ai tout sur moi? Oh merde. Ok. On va poser le verre. Oh putain, non, c'est sur cette shulker. Oh non, est-ce que j'y accède depuis ici? Ah mais c'est pas la bonne. Mais où est-ce que j'ai mis mes trucs? Bon, en vrai, c'est pas grave. J'ai déjà rebouché dès qu'un machin me tire dessus. Eh ben voilà, il sert à ça le fer. Je peux même me faire un petit beacon. Mais en vrai, go faire ça. Ah oui, mais non, parce que ça peut spawn là. Ça peut spawn sur moi. Bon, en vrai, c'est pas grave. Vas-y, on va préparer le beacon. Après, je peux. Merde. Ah, bah oui, je meurs de l'entity cramming là. Bah, en vrai, c'est pas plus mal. Comme ça, je reviens en arrière. Ok. Oula, j'ai. Eh, petite frayeur hein, quand même. Et ils me disent quoi? J'ai subi trop de pression. Ah, misère. Y a pas un succès où faut mourir de toutes les manières possibles, ça serait bien. Tac. Ok, bah usine à or terminée et ouais, stonk niveau XP. Mais le problème, moi, c'est niveau vert là, faut en poser. Ou sinon, bah je fais des étages de magma bloc. Il y a cette solution qui était celle de base. Parce que j'ai pas besoin de faire 20 000 étages, on l'a vu. J'ai pas besoin d'en avoir des milliers. Ah ouais, mais. Ouais. Je sais pas, on peut faire ça, on peut continuer de ramasser des magma blocs histoire d'improve l'usine. Mais franchement, j'ai. Le mieux en fait, ce qui me manque là, c'est vraiment les. Ceux qu'on. Les pigmen qui ont. Comment? Qui sont énervés tout le temps et qui le. Les name tags. J'avais plus le nom que je leur avais donné. Les pigmen name tagués, faut. Il m'en faut en fait, si je veux que l'usine soit vraiment fonctionnelle. Parce que là, t'as vu, je les ai focus une fois, et après ils ont arrêté de me focus.
En fait, faut qu'il y ait tout le temps un pigman énervé, sinon ça marchera pas. Mais bon, on l'a vu, l'usine fonctionne, et évidemment, ça te fait beaucoup d'XP. Et si j'ai mon épée en main avec ma looting, du coup, eh ben, ça va considérer que c'est moi qui bute les pigmen. Et c'est pour ça qu'ils... C'est pour ça qu'ils peuvent drop de l'or aussi. Ils en dropperont encore plus si j'ai mon épée en main, normalement. Et ben voilà, usine or terminée. Je la considère terminée parce que maintenant c'est juste bah, comme l'usine à creeper, hein, faut juste la lui rajouter des étages quoi. Par contre, hyper important le verre. Hein. C'est hyper important de poser le verre. Et après, à voir comment le poser, mais bon. Et pourquoi poser du verre? Bah, en vrai, on peut poser des dalles. Et je pense qu'on va poser des. Après, je sais pas. Non, il me reste beaucoup de verre en vrai. Donc ça va. Bah ce qu'on peut faire là c'est aller chercher des trucs hein. Mais en vrai ça fait 2 heures de stream, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Farm à or et rendre beau le hall PNJ. Bah les deux sont faits. Le hall des PNJ, bon il est pas forcément très beau, mais voilà, il a son petit style. Ouais. Ouais, bon, il y a juste ici que c'est pas fait, mais en même temps, je sais pas s'il y aura plus de PNJ ici. Et la farm à or est finie, donc je considère que c'est terminé. Donc, parmi les choses à faire restantes, bah, la deuxième farm à PNJ comme ça pour avoir du blé, faudra que je la fasse et je pense que je la ferai dans cette direction-là. Et j'essaierai de la faire à peu près symétrique. Je pense, ouais. Là aussi, là, ces endroits-là, rendre les murs jolis, ça c'est un truc qu'il faut que je fasse. Faire la déco ici aussi, c'est important. Donc je vais le noter. Faire déco autour du portail. Et faire déco des murs de la base. Voilà, parce que pour l'instant, les murs de la base, c'est que de la stone et ça serait bien d'améliorer ça. De changer ça. Voilà, je suis content de ma petite. Je suis content, ouais, j'ai bien géré, je trouve, ici. Peut-être ici, je peux mettre des escaliers pour rajouter un peu plus de relief, parce que là, tout autour, il y en a du relief, c'est plutôt cool. Là, t'as là un peu caché pour ajouter tes petits seaux de lave hein, ou tes combustibles. Ici, pourquoi? Hop, table de craft, incroyable! Que je trouvais que ça faisait moche de juste mettre une table de craft là. Donc j'ai ajouté des petites trappes dedans. Le mieux ça serait d'ajouter celle-là, mais j'en avais plus. Donc tant pis. Au pire, ça fait des changements de couleur. Non, j'aime bien. Je suis content de cette base. Je crois que c'est la première fois que je suis vraiment fier de ce que j'ai pu faire. Parce que c'est vraiment à mon level, quoi. Bon, ce chemin, c'est pas le mien, ça c'est mon chemin. Mais même là, tu vois, c'est tout con, mais c'est pas mal. Ouais, ajouter ma tête là en relief, ça pourrait être bien. La tête de mon vrai skin. En plus, c'est pas si compliqué. Il me faut juste du sable. Enfin, il me faut du béton noir en poudre. Il me faut. Je peux utiliser de la laine. Après, il me faut de l'argile blanche qui est beige en fait. De l'argile cuite, bien sûr. Et. Un peu de fil pour faire tenir bien évidemment la poudre là. Et je sais plus, après il me faut d'autres trucs, mais je sais plus c'est quoi. Ouais, non, mais c'est juste ça en fait. Il me faut de quoi? Il me faut un bloc bleu ciel, un bloc blanc, l'argile cuite blanche et le béton. Le béton machin là en poudre noire. Et c'est tout. Bah je vais l'ajouter en vrai parmi les. Je vais l'ajouter parmi les trucs à faire. De faire la tête de mon skin en relief sur la montagne. Dans la to-do list. Hop. Faire ma tête de skin en relief. Sur la montagne au-dessus de la base bien sûr. Donc du coup je pourrais le faire juste là à l'endroit où c'est un peu plat.
Et j'essaye de me démerder pour le centrer. Ah, je peux pas le centrer. Bon, en vrai. En vrai, je peux centrer, hein. Enfin, du coup, ça, faudrait que je le déplace un peu. Genre que je fasse. Ça, je le mets sur cette ligne-là. La ligne actuelle là, je la mets à droite. Et du coup, je creuse un peu plus. Rien ne m'empêche de faire ça. Donc, le jour où je ferai la tête, faudra que je me souvienne qu'il faudra que je la centre par rapport à ces deux blocs-là. Genre, le centre, ça doit être ces deux blocs-là. Et voilà. Bon, allez! Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je m'arrête maintenant? Ouf, trop de patates. J'en ai tellement, je sais plus quoi en faire. Là aussi, mec, hein, je commence à être plein, plein, plein. Bah, en vrai, c'est pas très grave parce que les patates vont juste despawn derrière, quoi. Genre, dès que les entonnoirs et le minecart entonnoir sera plein, c'est juste les items vont rester au sol. Et ils vont rester 5 minutes, quoi, à chaque fois. Donc, en vrai, c'est pas très grave. Pareil pour le fer ici, quand on en aura trop. Mais après, ça va parce que je récupère les fers pour des blocs. Mais les roses, par contre, faut que je m'en occupe. Hein, parce que j'en ai trop. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc, la farm à creeper, c'est bon. La farm à blé. En vrai, je vais retirer les trucs faits. Deuxième farm à blé. PNJ à blé cette fois. Le zoo perso. Si je peux une flying machine à canard, ça je la ferai pas parce que j'ai pas besoin. La farm à abeille, ça peut être intéressant. La ferme à améthyste, alien à cactus. Farm à glowing squid, salle des CD. Faire cabane de l'AFK pour la best position des creepers, mais j'ai pas besoin. Faire ma tête en skin en relief. Et après là, c'est juste des farms, genre améthyste, alène, à cactus et à glow squid. C'est pas important du tout. J'en ai absolument pas besoin, surtout que la cactus, on l'a déjà. Mais c'est parce qu'en vrai, j'ai envie de faire le plus de farms ici. Tu fais quoi avec de l'améthyste? Avec l'améthyste, l'améthyste et le cuivre ne servent à rien. Genre vraiment. Mais il y a un truc utile. Le cuivre, ouais, vraiment, tu peux faire un paratonnerre, tu peux faire des blocs de. Et c'est tout. Des blocs de cuivre et c'est tout. Mais par contre, l'améthyste, tu peux faire la loupe, enfin les espèces de jumelles, incroyables avec le cuivre. Et tu peux faire du verre teinté. C'est du verre qui est assombri et la lumière ne passe pas à travers. Et ça, en vrai. Ça peut être cool. Et même, ça peut être plutôt joli. Parce que je me dis, là, on pourrait foutre du verre teinté, tu vois. Ça pourrait. Bon, après, je pense que c'est mieux d'avoir du verre bien transparent, mais. Tu vois, pour des trucs et tout, ça peut être sympa. Un paratonnerre, en effet. C'est un truc, bah, quand il y aura de l'orage, les éclairs vont tomber dessus, en fait. Et c'est un moyen de farmer les creepers électriques et les autres mobs qui peuvent changer. Genre, si tu tapes des cochons, ça devient des pigmen avec la foudre. Les villageois deviennent des sorcières. Et je sais pas s'il y a d'autres mobs. Je sais pas si les chevaux deviennent des chevaux squelettes, ça je sais pas. Parce que je sais qu'il y a un autre mob, mais je sais pas lequel. Ou dès qu'il se fait toucher par un éclair, il change, mais je sais plus. Je sais pas c'est lequel. Ok, je voyais pas l'utilité. Ouais, mais ça sert à rien en fait. À part ça, ça sert à. Oh oui, ça marche! Oh! Toujours plus de creepers! Oh! Un autre? Encore! Encore! Oh! Elle fonctionne! Ouais, je sais pas quoi faire. Je pense, bon, la farm à cactus, ça va être hyper facile à faire. Mais la farm à cactus, je pense que je ferai un truc un peu du style.
peut-être sur plusieurs étages. Même si on en a déjà une, moi j'en ai pas chez moi, tu vois. Moi, mon but, c'est vraiment d'avoir toutes les usines possibles chez moi, quoi. Ce que je pourrais faire. Ce que je pourrais faire, c'est refaire la même usine à canne à sucre, sauf que cette fois-ci, je mets deux observeurs. Même là, l'usine à canne à sucre. Ici, je pourrais utiliser deux observeurs parce que du coup, ici, ça m'utilise un sticky piston. Et on a presque pas de slime block sur le serveur. Enfin, de slime ball plutôt. Et je pense que je demanderai l'acide juste pour voir si je peux avoir une. Enfin, au pire, je demanderai à Oxys de regarder avec l'acide si autour de chez moi j'ai accès à un chunk à slime pour me faire une farm à slime. Si possible. Au moins la construire, tu vois. Si elle fonctionne presque pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas la première usine qui serait dans ce cas. Ah. C'est le serveur qui. Ah, Oxys! À Paul pour les intimes. Donc ouais, du coup, juste à côté là, quasiment collé, genre je pourrais faire une usine à bambou, mais qui marche avec des putain, des observeurs et pas cette cloque. Et ici, pareil, au passage, je changerai cette cloque pour mettre des observeurs. Comme ça, je gagne un sticky piston. Là, bah du coup, ça ferait une espèce de symétrie. On pourrait poser bah, cette usine à côté, mais je sais pas comment gérer mon truc. Parce que faut pas, parce que là, tu vois, genre c'est assez bien, genre tout est aligné là. Genre là, tout ça c'est aligné. Ça serait bien que j'essaye de rester sur cette optique. Parce que pareil, après là, du coup, j'aurais accès à, parce que là, il y a la salle des coffres, mais derrière ici, je pourrais refaire des farms quoi. Je sais pas, bon bref, on n'y est pas encore. On n'est pas encore. Pareil, faire une farm à. Je pourrais faire des farms de toutes les agricultures possibles. Hein. Genre, je pourrais remettre un troisième PNJ farmer pour farmer la betterave. Inutile, hein. Genre, la betterave, il n'y a rien de plus inutile en bouffe. Mais au moins, on en aurait. Faire une farm à pastèque et à citrouille, tu vois, par exemple, dans le mur, là. Faire une farm à cactus. Je sais pas, il y a quoi une farm à baies avec des renards. Parce que les renards, dès qu'il y a des baies qui poussent, ils veulent récupérer des baies. Sauf que s'ils ont déjà un truc bah, dans leur bouche, ils peuvent pas le ramasser. Donc il suffit juste de mettre un minecart en dessous qui récolte tout. Ici, bah, on partirait sur le zoo qu'on creuserait bah, dans la montagne. Avec de la TNT, même si on n'en a pas énormément. Ça, on pourra faire déjà des petits trucs. Quoi d'autre? Y a quoi en. Canne à sucre, bambou, on peut faire. Pastèque, citrouille, on peut faire. Betterave, on peut faire. Ah bah. Patate, blé, carotte, betterave. Canne à sucre, citrouille, pastèque, on peut faire déjà. Et après. Bah après on je vois pas ce qu'on peut faire en agriculture. Après on peut essayer de faire une ferme à saumon. Une ferme à saumon je pense pas, mais une ferme à Glowsqueed je suis sûr c'est possible. Parce que je crois. Je sais pas si les Glowsqueed on est obligé d'être en. Dans des rivières pour qu'ils spawnent. Je pense faut juste être pardon dans. Genre un peu bas en profondeur et puis voilà quoi. Mais après, si je pouvais le faire à cet étage-là, ça serait bien. Mais je pense qu'il y a des farms à Glowsqueed sur Internet. Et les Glowsqueed, pour le coup, ça serait le seul truc un peu utile. Parce que ça me permettrait de. Bah, de faire ce que je vais vous montrer. Ça permettrait de faire ça. Voilà, quand tu cliques droit sur un panneau, ça va donner un effet un peu glowing. Glowing Squid, glowing. Pour ça. Voilà. Et c'est bien. Que ça rend assez bien parce que là de loin tu vois pas forcément bien alors que là de loin tu vois déjà mieux je trouve. Bref, bah je vais m'arrêter là. Donc là un truc qu'il faudrait que je fasse aussi c'est faire en sorte de pouvoir tuer les pigmen.
s'ils s'amènent ici, donc je pense que je vais les noyer avec de la neige en vrai. Je vais les noyer avec de la poudreuse et si je tombe, bah tant pis. Hein. Il faut quand même que je fasse un accès pour moi survivre. Genre juste je foutrais une échelle, je pense. Les pigmen ne peuvent pas prendre des échelles. Bah je vais juste faire ça en vrai. Hein. Est-ce que j'ai des sauts? Comme ça les pigmen ils vont arrêter de m'embêter. Ah non, bah l'échelle, je peux la foutre là. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et du coup, bah avant de s'arrêter, on va tout simplement récolter de la poudreuse. Poudreuse qu'on peut récolter avec des seaux, du coup. Bah let's go. Oh putain! Oh ils sont chiants ces blocs. Bon j'espère j'ai pas besoin de faire 20 milliards de tours parce que... Ah ouais c'est chiant, la poudreuse c'est vraiment chiant. Au moins tu peux faire des petits pièges comme ça. Alors 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vas-y, on va prendre le nécessaire. Voilà. Comme ça nous fait une réserve. Et on va reprendre un peu de poudreuse du coup. Ah putain. Ah c'est chiant parce qu'elle te fait tomber directement. Oh là là. Ah c'est chiant. Hein. Bon, attends, question. Ah, je peux pas prendre des échelles comme ça. Chanson. Bah, tant pis, hein. Alors, est-ce que je peux pas faire le contraire du coup? En mode. Je mets de la poudreuse là. Ah, mais non. Ouais, on est bloqué dans tous les cas. Oh,
bah écoute, on va rester sur ça, hein. Au pire, on pète un bloc, hein, c'est pas grave. Ok. Faudrait que je me souvienne quand je tombe que j'ai un sola pour ça. Ok. Et bah fin du stream. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je restreamerai aujourd'hui peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. Voilà. Merci beaucoup, hein, si vous étiez sur YouTube comme d'habitude, si vous regardez les VOD. C'était un épisode de la Live Adventure. Et moi je vous dis bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming. Merci à tous. Salut.